amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Mobi. Comme vous le voyez, c'est une toute petite boîte qui nous a été envoyée par Wavemaster. Il accompagnait le Dakota et le Moody. Donc le Dakota, le casque proposé par Wavemaster, et le Moody, le kit 2.1. Alors le Mobi, c'est quoi? C'est tout simple, la présentation va être rapide, vous allez voir. C'est une petite enceinte. Hop, pardon. Petite enceinte prévue pour les portables, ordinaux éventuellement, en tout cas plutôt pour les téléphones, iPad, etc. Donc, ça se présente sous une forme toute circulaire, un petit bandeau chromé pour le style sur le côté, en forme d'ovni en fait, tout simplement. Et pour l'activer, il faut appuyer et on fait apparaître la connectique USB qui permettra de charger la batterie, parce qu'a priori il y a une petite batterie. En dessous, on trouve un petit jack en 3,5 mm qui va se connecter sur votre téléphone, iPod, etc. Et dans le bundle de ce petit objet, mine de rien assez sympathique, je jette tout comme d'habitude. Évidemment, je suis coincé, ça ne veut pas sortir. Voilà, donc je jette finalement un petit guide de l'utilisateur et toute une série de connectiques spécifiques aux différents téléphones portables. Alors, je crois savoir, je l'avais vu, je ne sais plus où, que nous avions, je suis en train de chercher, vous m'excuserez, que nous avions un certain nombre de téléphones. Voilà, c'était là, pardon. C'était ici, au dos de la boîte, comme quoi. Un certain nombre de téléphones portables pris en charge, donc Nokia, Sony Ericsson, mini USB et un jack 2,5 mm. Donc, quelque chose d'assez useless, hein, c'est pas si c'est forcément nécessaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais en déplacement il n'y a pas très très longtemps et je l'ai emmené pour voir ce que ça donnait. Et en fait, je l'ai branché sur mon téléphone histoire de voir. Le son, bah, il sent comme une mesure avec ce que propose mon téléphone. Hein, et bien évidemment, le téléphone est complètement à la ramasse. Et alors, petite remarque supplémentaire, je l'ai aussi utilisé sur mon ordinateur portable et le son proposé est nettement meilleur que celui de mon ordinateur portable qui a deux pauvres HP, tout ce qu'il y a de plus misérable, puisqu'ici on a une membrane d'environ 50 mm je dirais, ce qui fait qu'on ne gagne peut-être pas en niveau de précision, mais alors au niveau des rendus sur les lignes basses c'est un peu meilleur, c'est certainement pas du grand son, mais ça peut valoir le coup, glisser dans une poche du sac. Ça peut toujours être sympathique si on est en déplacement pour pas avoir un son cria qui vous troue les oreilles à chaque instant. Donc le Moody de Wavemaster, je vous ferai un rapide test, hein, puisqu'il n'y aura pas besoin de s'étendre très 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 longtemps, de ce petit ustensile qui, ma foi, somme toute, pourrait bien être tout à fait pratique. Voilà, je n'ai pas d'idée du tarif, puisque j'ai mal fait mon travail pour une fois, je n'ai pas regardé. Donc je vous invite à venir lire le test écrit, dans lequel je vous préciserai bien évidemment le tarif, histoire que vous le sachiez. Voilà, je vous souhaite une bien bonne journée en notre compagnie. Au revoir.